Yo les gens, c'est TrackSurvie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé, des petites mises à jour qu'il y a eu. Et on va bien sûr aller faire une partie. On va aller bien sûr essayer de faire une partie tranquillou. Alors, il reste 2 semaines sur Fortnite. Je pense que tout le monde le sait. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, ça fera toujours plaisir. Surtout les commentaires, hein, ça aide à la chaîne, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à vous abonner. Je sais qu'il y en a qui s'abonnent, mais je vois pas vos pseudos ou quoi que ce soit. Donc si vous vous abonnez ou quoi que ce soit, dans ces coups de temps là, vous le mettez en commentaire. Ou vous créez un vrai compte, parce que apparemment... Il y en a qui s'abonnent et ça s'affiche pas, donc voilà, je voudrais bien savoir qui c'est, parce que quand je reprendrai mes lives, je voudrais bien voir vos pseudos si vous suivez un minimum ou quoi que ce soit, et que voilà, qu'il n'y ait pas de soucis ou quoi. Donc voilà. Alors, pourquoi je fais du Fortnite? Alors moi, pour moi, ça sera la dernière vidéo de la saison. Parce que je pense que il y a assez de personnes qui fait des vidéos sur oh bah le Zeppelin est tombé, oh il y a ça qui a été rajouté, oh il y a ça qui a été rajouté. Je pense qu'on est assez à faire des vidéos sur Fortnite. Donc voilà, piste 1 Fortnite. Donc je pense que ça servirait à rien qu'il y ait plusieurs personnes qui fait des vidéos sur le même jeu, et je vois qu'il y en a pas mal qui reprennent des trucs ou qui sont pas chier s'il y a un youtubeur qui prend et un tiktoker qui prend. Donc donc voilà, c'est un peu le système, c'est je prends sur un youtubeur et après je recopie ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Alors là, comme vous le voyez, je suis en menu principal. Comme vous le voyez, il nous reste... Ah maintenant, il reste 3 semaines de rébellion. Donc je pense que la semaine 11, je pense que ça sera la saison, ça sera la fin de... Peut-être pas 11, mais on va dire 12 au minimum. Après, je pense que 12, voire même 13. Ça dépend comment ça va se goupiller au niveau de la saison. Comment ça va se dérouler, parce qu'il reste vraiment plus rien, hein. Comme vous le voyez, il reste plus que la forteresse et état-major, donc état-major enfoui, hein, bien sûr, donc juste ici. C'est vrai que c'est quand même marrant, quand même. On est quand même démarré Diddy Bugle, après on a fait Condor Quo War, on est allé ici, après on a fait... où on est allé, les joueurs, on est allé ici. Grizzly Groove, il n'y en avait pas. Et nous sommes allés à ici. Alors c'est marrant parce que les Zeppelins étaient vraiment que sur le côté droit. Et il n'y en avait pas sur le côté gauche. Côté gauche, ici il n'y en avait pas. Ici il n'y en avait pas. Et ni ici. Bon bah là on sait que c'est chez les 7, mais c'est vrai que c'est marrant quoi qu'il n'y ait pas de plus que ça quoi, donc voilà. Je voudrais venir sur quelque chose que j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente, donc qui affichera au i ici. Je vous avais parlé de Golem de Pierre qui était juste là, au niveau de là, qui avait spawn. Et plus je vois les mises à jour, plus je vois les machins, on les voit s'enfuir. Alors qu'est-ce qui pourrait bien se dérouler? Parce que pas mal de personnes disent que voilà, que c'est la dernière saison, que voilà, que c'est la saison finale. C'est vrai que est-ce qu'il n'y aurait pas plus? Est-ce que la forteresse nous cache pas une bombe atomique? Est-ce qu'il pourrait pas nous cacher autre chose? C'est vrai que les youtubeurs, dès qu'ils voient quelque chose, ils se disent « Tiens, il y a ça, tiens, il y a ça ». On parle des Zeppelins qui sont tombés, donc un peu à droite, à gauche, donc un là, il y en a un qui est tombé à côté de Tilted Tower, donc dans l'eau ici. C'est pareil au niveau, il y en a pas mal au niveau
De là, je crois bien qu'il est tombé là. Ouais, on voit un peu les débris, ils sont juste ici. Il y en a, je crois bien, un qui est tombé. Ah, puis il y avait ici, là, qui y avait un dirigeable aussi. Je crois bien qu'il est tombé pareil, ici, dans le coin. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont tombées sur cette saison. On a quand même aussi encore l'état-major qui encore son Zeppelin. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'il y a quand même un boss là-bas. Bon, il y avait des boss dans les dirigeables, mais ils étaient moins costauds que ça quand même. Et à voir quand même, parce que pour le moment, bah, il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de quête. En temps normal, on avait toujours des quêtes. Il y avait toujours des quêtes autres. Et là, bah, par exemple, on a utilisé un ballon et utilisé une bulle de protection. Hein, une bulle de protection. Hein. Ah non, un projectile. Ouais, oui, protection. Ouais, protection. Protectrice. Ils sont fait chier à aller chercher une bulle de protectrice. Bulle de. Bulle protectrice. Mais non, ça se dit pas. C'est bulle de protection. Bon, laissez tomber. En temps normal, on avait des quêtes déjà qui disaient, voilà, on attaque, machin, tout ça. Et là, c'est vrai que bah, le Zeppelin était Ted Tower, bah, il est tombé en plein milieu de fin de semaine. Clairement, il est tombé en fin de semaine. Et en temps normal, bah, il tombe quand bah, il y a une nouvelle saison, quand il y a une nouvelle mise à jour ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pareil au niveau indisponible pour partie en cours. Alors je sais pas pourquoi il me dit ça, mais c'est vrai que bah, par exemple là les saisons, bah, pour le moment c'est pas vraiment parce qu'il y a plus de timer. Bon bah ça c'est les quêtes d'étape et puis bon bah moi j'ai encore celui-là donc il me reste encore deux semaines à faire donc bah 2 semaines, deux jours donc. Mercredi et mercredi prochain. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Après, moi, je veux pas jouer avec le chevalier Omega en jaune. Alors après, je verrai parce que je l'apprécie bien en noir. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. Alors je pense qu'ils auraient pu rajouter un planeur ou un truc comme ça. Parce que bah, c'est vrai que bah, là, au niveau du chevalier, à part une épée et puis un style. Ouais, bah on gagne de l'XP, c'est bien, mais bon, ça gagne pas non plus des 1000 et des 100. Donc voilà. Je vais partir en game. Je sais pas pourquoi, toi ta gueule. Alors attendez. Pouf, pouf, pouf. Ouais, bah ouais. De toute façon, là, sauver le monde. Ouais. Alors est-ce que c'est pas parce que je suis en public, 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 langage, confidentialité, matchmaking public, participation public, privé, public, état en ligne, ok. Oh, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi en fait ils mettent plus. Là, on a clairement indisponible dans une partie en cours. Alors, je pense que c'est buggé. Je pense que bon, Fortnite, c'est pas non plus. Voilà. Dites-moi où vous en êtes. Parce que il y en a. Alors, il y en a, ils font que ça. Hein. J'ai vu un TikToker, il est niveau 700. Le gars, il fait que ça, quoi. C'est H24, il doit jouer qu'à Fortnite. Clairement, même niveau 700, moi, à un moment donné, je pourrais plus. Tu te dis, niveau 700, tu gagnes rien. Tu touches rien. Parce que niveau 200, c'est le niveau maximum au niveau bonus. T'as pas de truc en supplément. À part si Fortnite, à un moment donné, ils disent, bah voilà, il est niveau temps, alors on lui donne des V-Bucks ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment du. Ça serait du favoritisme. Parce que clairement, ça serait de dire, bah voilà, la personne. Parce que clairement, la personne aurait pu clairement aller acheter le pass niveau 100 et après buffer les V-Bucks et se payer les niveaux. Parce que bah, les niveaux peuvent se payer.
Et encore, c'est même étonnant. C'est même étonnant que y ait encore ce système-là. Donc voilà. Ouais, le zeppelin, on le voit pas trop dans l'eau. Alors à part s'il est pas dans l'eau, je croyais qu'il était tombé dans l'eau à côté de Tilted. Alors tout le monde au début, dans la saison dernière, tout le monde disait ah, bah il va y avoir le monstre qui va revenir, tout ça machin. Et puis tout compte fait, bah, le monstre n'est pas revenu. Alors est-ce que, comme dirait l'autre, est-ce que dans quelques semaines on n'aura pas quelque chose de nouveau ou un truc qui va spawn? C'est vrai que bon bah maintenant on peut s'attendre à tout sur Fortnite. Mais c'est vrai que... Toi, tu sais jouer. A vu ou elle me voyait pas? Je suis pourtant pas un fantôme. Récupérer les bêtes combos. Alors c'est marrant parce que ils disent que les combos ont disparu, mais les baies sont venues. Alors je sais pas si ça peut préserver une incertitude que les combos reviennent. Ça serait peut-être intéressant.
Tiens, pour ceux qui jouent souvent cette saison, dites-moi comment vous l'avez trouvé. Parce que c'est vrai que, bon... Nous, youtubeurs, quand on vous fait une vidéo, c'est vrai que quand on joue, voilà, on apprécie quand même de faire la vidéo. Même s'il y en a qui disent que qu'on rage, qu'il y en a qui rage, et puis tout le tralala. C'est vrai que, bon, quand on se fait tuer par quelqu'un qui, par exemple, nous spawn kill pour juste avoir un kill, je sais qu'il y en a pas mal que... moi je sais que pendant certaines quêtes ou quoi que ce soit, où je vois pendant le rapport où il fallait tuer le major, donc qui est dans sa grotte là-bas, c'est quand même assez compliqué. Et je sais que moi je suis tombé avec plusieurs personnes qui jouaient fair play quand même et qui aidaient. Que moi je sais que je me suis retrouvé avec des personnes qui Ah oui, d'accord. Ça c'est emmerdant ça. Fait quoi si on a des ballons Ah d'accord, ok, ça enlève les ballons. Ça enlève les ballons, ok. Je pensais que ça les garderait, mais non. Là, je me suis pas fait repérer quand même. Je me suis fait repérer, mais alors d'une façon radicale. S'il y en a un qui regardait dans le ciel, je pense que je me suis fait voir avec 2-3 ballons. Tout compte fait, ils ont tout perdu, l'IO. C'est 7 qu'on tout récupéré. C'est marrant parce qu'au début on se disait... Oh bah... Au début je croyais que Sloane était quand même quelqu'un de gentil, mais en fait non. C'est juste une chiennasse. Oh, ils sont un peu tous dans le même bateau, on va dire. Ça fight. Bah attends, mais il y a plus de bot là-bas. Oh bah non, il y en a un qui s'est attaqué au 7, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Par contre, j'ai pas de kit de soin, c'est la première fois que je tombe, j'ai vu aucun kit de soin. Je savais pas que les toilettes étaient rattachées aux portes quand même. Voilà, c'est pour sortir.
C'est mieux que rien. Ah mais... Y'a personne qui est venu là. On est plus 15 en plus, c'est bizarre. À part s'il y en a un qui joue à cache-cache, mais... Ah bah il y a un distributeur là. Ah, ça change un peu tout le temps. Passons machin. Ça peut être pas mal aussi. Wow. Merci mon brave, ça a été très très gentil de ta part. Qu'a appris à jouer avec le troufion de sa cuillère. Encore un qui joue à cache-cache, encore avec un kill, super. Je comprends pas les personnes qui ont... Ouais d'accord, il a un lance-roquette, on voit déjà directement la personne. C'est le gars qui va aller jouer campouze en hauteur, qui va jouer roquette. On voit tout à fait le genre. Bon, bah moi au minimum top 6, c'est déjà pas mal. Voilà, il y en a quand même qui jouent pas mal camp, je trouve. Il y en a qui, bon, qui construit, c'est plutôt pas mal. Mais bon, là, c'est quand même dommage quand même qu'il y en ait qui... Quand on voit les personnes qui ont qu'un kill, ça va se poser quand même des questions où ils étaient et pourquoi ils ont qu'un kill en fait. Et la plupart du temps, c'est les personnes qui finissent top 1. Ça, c'est chiant. Ça, c'est tellement chiant quand on se dit, bah voilà, j'ai qu'un kill, machin, mais voilà. Moi je pourrais pas, je sais que moi j'ai fait assez de top 1 de cette saison, mais donc voilà, c'est plutôt intéressant de se dire voilà, je suis déjà top 6, c'est déjà pas mal. Quand tu fais bon, top 50, top machin, tu te dis ah bah allez on va reprendre parce que sinon, voilà. Mais dès que tu commences à faire des kills dès le début de la game, machin, et puis que tu arrives à gérer ou quoi que ce soit... ça va, c'est plutôt cool, surtout que j'ai fait, alors rediffusion, j'ai fait combien de kills? J'ai fait 6 kills pour 6ème place, ça va, 6 places, 6 kills, impeccable, pour un temps de 14,11 minutes, donc ça va, c'est plutôt correct, normalement une game fait entre 15, 16 et 20 minutes, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa.
Après, quand il y en a qui campent ou quoi que ce soit, c'est très toujours chiant. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette petite game vous aura plu. J'aurais bien voulu passer à côté des golems, mais je ne suis pas passé. Si vous voulez aller les voir, ben, ils sont normalement en train de s'enfuir du côté de Condon Canyon. Donc ici, ils sont dans le coin. Je sais qu'ils étaient au bord de la route. Alors peut-être qu'entre-temps, avec les mises à jour et les machins, ils sont peut-être avancés. Ils ont peut-être fait avancer. Mais ça serait à savoir ce qu'ils vont devenir, ces cailloux-là. Parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de statues de Pâques qui sont réapparues à droite à gauche de l'ancienne map. Donc est-ce que possiblement la map va changer? Est-ce que possiblement, parce qu'on a eu quand même des bombardements de la map, Tilted Tower a été détruit, les bêtes combos sont réapparues, est-ce que les combos vont réapparaître? Il y a quand même pas mal de choses entre la forteresse qui est à cette zone. Est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'il y aura des trucs qui vont réapparaître? Voilà, il y a quand même 2-3 trucs à se poser comme question. Parce que bon, voilà, c'est quand même. Fortnite existe depuis maintenant un moment. Est-ce que les mises à jour vont se dérouler de façon sur une même map et il n'y aura plus vraiment d'histoire? Ou est-ce qu'il y aura toujours une histoire, mais dans la continuité? Voilà, c'est un peu dur parce que bon, on se dit qu'au début on n'était pas dans une boucle, à maintenant on est dans une boucle. Qu'est-ce qui va se passer donc dans la suite du jeu? Donc voilà. Moi je vais vous laisser. Merci encore à ceux qui regardent et puis machin. Moi je vous kiffe. Ceux qui regardent et tout ça. Donc dites-moi en commentaire. Hein. N'hésitez pas à commenter, à machiner. D'aller voir la vidéo précédente. Donc la vidéo précédente, bah, c'était sur Fortnite aussi. Parce que oui, c'était sur. Non, c'était sur. Sur un MMO, sur Fortnite. Ouais, bon. De toute façon, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré qui est là. Et je vous laisse pour la fin de la vidéo. Et moi, je vous remercie encore. Et à la prochaine, les gens. C'était Drak Servé. Peace.